Salut à tous, c'est Gassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 du Let's Play des 100 bébés. Donc cette fois je me suis incrustée dans le foyer en pensant qu'il y aurait tout le monde, mais en fait il en manque un ou deux. Du coup ben voilà. Et puis alors mieux c'est que je me suis aperçue que je m'étais complètement gourée la dernière fois. Je suis en train de me demander qu'est-ce que c'est que cette affaire. J'avais déjà installé celui-ci tout seul. Ensuite j'ai installé le foyer et je me suis rendu compte que en fait je vous ai raconté des conneries. Liam c'est celui-là, c'est pas lui. Sauf qu'il s'appelle Liam quand même. Il a la tronche d'un de mes persos à moi que j'avais fait à partir de lui. Je me demande du coup pourquoi il s'appelle Liam, parce que le perso en question s'appelait Aiden. Voilà, je suis perdue. C'est pas grave. Donc on va dire que c'est pas le même et que c'est pas grave du coup que j'ai fait des bébés avec lui. Il me semble, je suis complètement perdue. Il me semble que c'est bien. En fait, j'avais choisi. Oui, vas-y, cause. Je vous explique, mais en attendant, il faudrait peut-être que ça serve. Hop. Ils sont tous en train de chialer, donc je me demande ce qui se passe. C'est peut-être papa qui est mort, mais ça m'étonnerait vu qu'il était assez jeune. Bref. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon challenge invasion qui est en pause slash arrêt depuis plusieurs mois, j'avais emprunté à la copine Fanfan le monsieur Noël que j'avais un chouïa changé, donc les yeux sont passés bleus, le nez avait un tout petit peu changé, enfin bref voilà, dans le but de ressembler parce qu'il me faisait penser à Crochet de Once Upon a Time pour ceux qui suivent la série. J'étais folle, enfin j'en étais folle, il me semble que c'est devenu lui, mais je comprends pas pourquoi il s'appelle Liam puisque je l'avais appelé Aiden. Alors peut-être que c'est parce qu'à la base je l'avais appelé Liam avant de me rappeler que c'était déjà le nom du frangin et que du coup je l'ai pas changé dans le jeu, je me rappelle plus. Bref, on va dire que c'est pas le même du coup. Ah d'accord, oui. Alors, pourquoi tu t'en vas? Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Non, pas moi. Ils se sont tous barrés au final. Je sais pas trop. Ils ont décidé d'aller en centre-ville ou ils bossent? Je sais pas. Elle est mignonne dans cette tenue quand même. Elle fait toujours jeune, je trouve. C'est très con ce que je suis en train de dire, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et est-ce que ça va être possible du coup? Ouais. Ouais, je les ai installés dans la maison d'à côté. Parce que j'avais pas envie de supprimer les... Ah! Toi, il faut que je te dise bonjour! Voilà, j'ai squatté un autre type tout fraîchement fait d'ailleurs, de Fanfan. Faudrait que je le mette dans mes numéros peut-être. Alors, faites voir. On n'a pas de A. Et ben, tout le week-end, on va bosser. Hein. Allez. Non, mais l'autre, il regarde! Ok. Ça lui plaît. D'accord. Hop. Et ensuite, on va faire la connaissance de monsieur pour garder dans les numéros, quand même. Toi, t'es jeune adulte, en plus. Ils sont tous jeunes adultes. Logiquement, ça devrait le faire. Ouais. Allez, hop. Tu te présentes aussi. Oh, c'est chou. Bon, c'est bon, ok, donc ça c'est fait. On va quand même discuter un peu pour qu'il s'en aille pas de la tenue. De la tenue. Ah ouais, ça entame la barre, ça je savais pas. Enfin, je l'expérimente pour la première fois. Bref, il faudrait peut-être que tu rentres maintenant, par contre. Voilà, donc bon, week-end, besoin, et puis il y aura bien quoi. Il y aura peut-être les jumeaux qui vont popper. Enfin, qui vont pouvoir grandir à la fin du week-end. On verra ça.
Alors, on est dimanche matin, très très tôt. C'est l'anniversaire des jumeaux, donc on va changer l'âge, voilà. Donc tout le monde a un peu fait ses devoirs, tout le monde bosse ses compétences. J'essaye de faire bosser un peu les garçons aussi au sport. Et puis Raflesia sur le tapis de course, puisqu'elle peut pas faire de yoga quand elle est enceinte. Voilà, voilà. On a pas mal récupéré des trucs du jardin, donc je vais voir si... Je pense qu'on va monter pas mal haut dans le budget, puis on va pouvoir peut-être faire un bout de construction... Cette fois encore, purée que c'est fort leur cri là. Oh, comme elle est jolie. Ouais, ok. Il est mignon. Hop, voilà. Ah ouais, franchement, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner... Ah ça y est, toi t'as la fenêtre bébé qui bug. Ce que ça va donner à dos. Oh ça m'énerve ces bugs de merde. Tatala, donc dodo. Voilà. Ok, vous allez manger quand même. Voilà, et toi aussi. Hop. Et puis, ah, toi t'es levé. Hop. On va regarder ce que ça donne niveau budget. Ah, comment c'est pareil. Et ça bug. Voilà. Hop. Citron, on en a assez. Allez, c'est de tension. Banane. Raisin. Cerise. Pomme. Pomme, oignon. Carotte. Patate là. Fraise, on vend. Pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça. Hop. Allez! Excellent. Poire, par là aussi. Sans déconner. Il y en a 14, quoi. Il n'y en a pas 45. Voilà. Ils sont ensemble dans les chiottes, normal. Mur, on peut vendre. Les champis aussi. Ça, on garde. Les grenades, on n'en avait pas du tout. C'est ça, hein? Allez! Sérieux, il y en a 7! Putain! Voilà, c'est ça. Hop, et on est monté à 27. On va se faire une salle de bain, je pense. Allez. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Si ça se trouve, je vous l'ai dit. Que j'ai rajouté des peintures faites par Harmonie pour égayer un peu la pièce. C'est pas totalement dans le style, mais au moins ils sont contents. Enfin bref, alors... Du carrelage. J'ai envie de bleu. Hop. Hop. Di-di-di-di-dim. Voilà, et voilà. Alors. Je sais pas ce que je mets, donc j'enlève tout. Tatala. Si, alors, on va faire.
Donc c'est les mêmes que dans la cuisine. On va changer. Alors, on va mettre ça. Pouf, pouf, pouf. Et pouf. Avec un évier. 3. Ça m'énerve parce que le lavabo, il n'y a que celui-là. Après, c'est que des éviers. Alors, je sais que du coup, il y a vraiment une différence. Non, parce que... Évier, lavabo, j'ai toujours dit les deux au pif. Je m'en tape un pot. Un pot. Un peu. C'est juste un endroit pour faire couler de l'eau et nettoyer des trucs. Enfin, voilà quoi. Et ma belle-mère, qui est architecte, m'a engueulé. Enfin, engueulé. Gentiment un jour en disant non, lavabo, c'est la salle de bain. L'évier, c'est la cuisine. Ouais, et ben là, il n'y a qu'un seul lavabo. Alors, c'est chier quoi. Bref. Qu'est-ce que je mets? Ça, ça rentre dedans aussi, c'est pas bon. Ça, je vais mettre ça. Ouais. Du coup, on va mettre une petite loupiote ici. Voilà, très bien. Une là. Voilà. Toi, on va te déplacer au milieu. Très bien. Ouais. Alors. Du fouillis. Un pousse-mousse, comme elle dit, et tout. Une petite touche de rouge, ça fait pas de mal. Voilà. Des serviettes, j'en mets toujours. Les bougies, quasiment à chaque fois, si... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon téléphone, il s'allume. Ah, ok, j'ai cru qu'il n'y avait pas de nouveauté alors qu'il y en a. Donc. Je disais, des bougies. S'il y a la place, j'en mets tout le temps. Ok, donc après, ce sera du fouillis dans l'autre machin. On va mettre un truc ici. Lequel on met? Voilà. Non, là on va mettre ça. On va voir. Ouais, ça va. Ok. Là, je vais mettre. Ça. C'est mignon. Voilà. Ensuite. Ensuite, baignoire ou douche. On va faire ça. Et on revient. Je sais plus lequel c'est. Celui-là, il est un peu grand, non? Pour mettre le chiotte. Directement collé ici. Ouais, si. Non, je sais pas, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ok. Hop, hop. Hop, hop. On va récupérer la moulure parce que je mets toujours pareil. Ah, mais je l'avais pas changé en fait. Sérieux? Je n'avais pas mis d'autres. Bon, bon, on va peut-être changer alors. Alors, il n'y a rien là, j'ai rien mis sur les pentes demi-mur, j'aime pas ça, faudrait que je rajoute. Ah bah si, j'ai mis de ce côté. Ok. Alors, pierre. Oh, du bleu, c'est bien le bleu. On va mettre du bleu, voilà. Non mais ça fait trop petit pour le chiotte là. Non, ça va. C'est mieux que ce soit un peu intimiste quand même, vous voyez. Alors, du coup, ça, voilà. On verra si ça passe en jeu, hein, de toute façon. On va mettre une petite plante. Là, très bien. Et là, madame la douche.
douche baignoire, au moins ils choisiront, puis voilà. Pas beaucoup de lumière quand même. Voilà. Voilà. C'est mieux. Ça va peut-être pouvoir l'avancer. Hop. Very good. Mais là, j'ai pas envie. Si, il faut en mettre. On va juste redescendre ça. Voilà. Alors. Un tapis. Pardon, je tourne un peu dans tous les sens, je me rends compte. Un tapis. On va mettre ça. Et on va l'agrandir. Non, j'aime pas. Celui-là, c'est mieux. Non, ça fait plus salle de bain quand même. Voilà, très bien. Non. Voilà, c'est mieux. Alors, donc on n'a pas fini avec le fouillis. On va mettre une petite plante. J'en mets quasiment à chaque fois aussi. Oui, Jenna. Je sais pas si j'ai répondu, mais je sais même pas si vous avez entendu mon chat parler en fait. Ce n'est point grave. Brosse à dents. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite. Oh, fais pas ta relou là. Voilà. Un panier, hop, j'en mets quasiment à chaque fois aussi si j'ai la place. Un comme ça aussi. Ensuite, ben non, là, faudrait pas bloquer. Ou alors on va faire comme ça. Et plutôt mettre un meuble comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, et ben il reste peut-être 2-3 décos. Et puis ce sera bon. Il est où le truc Oh, mais les fleurs. Il y a des fleurs de partout. Eh bah ben ouais, mais bon. Hop. Voilà. Il y a besoin d'en mettre là ou on va peut-être en mettre un comme ça. Voilà. Touf. Et son jumeau. Voilà, très bien. Bon. Des rideaux. Ça qui manque. Ceux-là, là. Hop. Voilà. On va mettre les mêmes et on va changer la couleur. J'ai tendance à mettre plus ou moins les mêmes rideaux si c'est les mêmes fenêtres un peu de partout. Bon, selon les pièces aussi, mais voilà. Lequel on met ? Non, celui-là. Et je, au niveau des couleurs, j'inverse selon les pans de mur. Donc là, le mur est bleu, je mets des rideaux marron et inversement. Voilà, voilà. Je sais pas si ça se fait, mais voilà, si vous voulez une petite astuce. Moi, je fais comme ça. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je rajoute un... un tapis. Voilà. J'aime pas ce tapis. J'aime pas ce tapis. Non, ils sont trop petits. Mais si j'en mets un trop gros, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça, le truc. Flash comme bleu.
Faut que j'arrête de vous poser des questions quand je sais que vous pouvez pas me répondre. Oh, du marron. Il n'y a pas un plus léger. Celui-là ou celui-là? Ça fait plus habillé celui-là quand même. Plus chaleureux. Allez, je vais mettre ça. Ça c'est fait. Bon. Est-ce que je fais autre chose ou pas? Et si je faisais la disposition des pièces, au moins ce serait fait. Et elle miaule. Hop. Oui. Tu saoules. Là, j'ai dit qu'il y aurait une terrasse ou je sais plus. On va mettre une petite salle de bain par là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Au niveau éclairage, on est bon là. Voilà, très bien, ok. Je m'occupais un peu de la façade. Alors, qu'est-ce que je fous ici? Cette façade, elle est trop moche, quoi. Faut que je vois un peu ce que je fais avec le revêtement. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je sais pas du tout quoi faire. Oh là là! Ça craint, non? Pétard. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais peut-être pas vous laisser me regarder tergiverser pendant 30 piges, mais là, ça me plaît pas du tout, en fait. Non. Oh, je suis pas bien, là. J'aime pas du tout ce que j'ai fait de la maison. Bon, c'est pas grave. On continuera la prochaine fois. Hop. Bon, bah, on a une salle de bain qui est jolie, quoi. Puis voilà. On va finir le week-end et puis on se retrouve après ça. Nous revoilà lundi après-midi avec 2A. Donc, et puis je pense que Rafflesia ne va pas tarder à accoucher aussi. Alors, un A avec toi. Et un A avec toi. Donc, encore une fois, le premier ado et le premier enfant. Alors, ça, hop, souffler, toi tu danses, hop, tu danses aussi, puis on va faire comme ça, hop. Voilà. Non mais les tenues d'école, vraiment, je n'adhère pas. Alors, hypocéan. Allez, remets les bougies. Et en plus, elle accouche. Alors, on va souffler d'abord. Arrête de causer! Voilà. Allez, viens, souffle. Elle va pisser, c'est bien.
fille de Tristan, mademoiselle. Ah ouais! Pas mal. Enfin, en tout cas, comme ça, ça a l'air pas mal. Alors, hop. Hop. Moi, tu fais la tronche, c'est pas grave. Tu remets les bougies, on va voir maman accoucher, et puis on finira là-dessus. J'enlèverai monsieur du foyer, comme ça, ça sera bon pour la prochaine fois. C'est bon, t'as pissé? Allez. Faut accoucher. Mais t'as pas remis les bougies, toi? Ah. Voilà. Allez, maman. Bon, là, il sera tout seul, c'est certain. C'est qui? C'est Liam, le vrai Liam, le papa. Alors... Une fille, on a une invasion de filles. Ça peut pas être un peu plus équilibré, quand même? Non, pas du tout. Ortide, allez. Voilà. Magnifique. Bon, et ben voilà, on va donc se quitter là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Pardon, je viens de frapper dans mes mains, c'est n'importe quoi. Nourris-la, on sait jamais. Enfin, on sait jamais, oui, il faut la nourrir. Bon week-end à vous. Portez-vous bien, et puis on se retrouve à la prochaine fois. Salut les gens!